à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer comment réaliser ce petit bonnet. C'est un bonnet vraiment super facile et super rapide à réaliser. Le modèle que je vous propose est une taille adulte, mais vous pouvez l'adapter en fonction de l'âge que vous souhaitez, y mettre un petit pompon ou bien même faire vous-même le petit pompon. J'aime beaucoup la finition du devant au point écrevisse. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'ouvrage de ce type. Et là, c'est vrai, j'avais envie de faire un truc un peu plus punchy et changer un petit peu de modèle au niveau du bonnet. Donc, n'hésitez vraiment pas à me dire déjà en commentaire ce que vous pensez de ce modèle. Si vous aimez ce type de motif réalisé sur des petits couvre-chefs. Et bien sûr, dites-moi en commentaire quelles sont les prochaines réalisations que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne. Encore merci infiniment, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux sur ma chaîne à me soutenir, à m'envoyer plein de petits messages super adorables avec vos créations et ça me fait toujours autant plaisir. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux et on est parti avec le tutoriel. Au niveau du matériel, je vais utiliser un fil qui se crochette avec un crochet taille 3,5-4,5. Au niveau de la composition, on est sur du 100% coton, 50 g pour environ 75 mètres. Donc là, c'est des pelotes de la marque de chez Hobby. Honnêtement, c'est une première pour ce fil, donc pas de la marque Hobby. Mais là, c'est la première fois que je vais crocheter ces petites pelotes. Donc au niveau des teintes, là c'est la couleur 2, on est sur du blanc. Et là, c'est une couleur vert clair, c'est color 25. Il n'y a pas écrit de couleur en particulier dessus. Je vais utiliser également un petit pompon comme ceci. Donc voilà, c'est les pompons pour les bonnets des enfants. Et un crochet taille 3,5. Après, vous pouvez utiliser un marqueur à laine, une paire de ciseaux, c'est comme vous voulez. Au niveau du pompon, donc moi là, c'est vraiment un pompon qui va être facile à fixer vu que c'est les pompons, vous savez, avec les élastiques comme ceci. On va commencer par réaliser un cercle magique. Donc on fait une boucle, on passe le crochet à l'intérieur de la boucle. On fait une maille en l'air et on va venir réaliser 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On va tirer comme ceci. Et on va venir réaliser une maille coulée au niveau de notre première maille serrée. Donc si vous ne savez pas où venir fermer votre cercle magique, vous pouvez très bien compter en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et on va venir prendre les deux brins. Vous voyez? Hop. On va faire une maille coulée. Pour le rang numéro 2, on va venir travailler en augmentation. On va faire une augmentation dans chaque maille qui se présente à nous. Sauf que là, on va commencer à travailler en bride. Alors déjà, point numéro 1. Là, mon fil, moi, j'en ai pas laissé beaucoup. Hein, c'est parce que j'économise souvent ma laine. Je ne vais pas venir le cacher rien du tout parce qu'en fait, à la fin, mon petit pompon, je viendrai glisser le petit élastique à l'intérieur, ici. Et je me servirai de ce petit bout de fil pour faire mes nœuds et je le cacherai à l'aiguille, ce qu'il en restera. Voilà, ça c'était pour le petit fil. C'est pour ça que là, je vous conseille de ne pas venir le cacher pendant que vous travaillez. On va commencer par faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Moi, j'aime bien venir après prendre mon marqueur. Ça m'évite de compter ou de me tromper. Ça permet d'aller plus vite, du coup. Et je vais venir le mettre dans les deux brins, ici, de ma troisième maille en l'air parce qu'en fait c'est là que je viendrai terminer mon rang en faisant une maille coulée ici là où je viens de mettre mon marqueur. Au même endroit ici je vais venir faire une bride.
Donc là, j'ai ma première augmentation. Dans la maille suivante, je prends les deux brins et je fais de nouveau une augmentation en bride. Dans la maille suivante, ici, pareil. Voyez, là j'ai fait 2, 4, 6. Et donc, comme on va faire des augmentations dans chaque maille du rang précédent, on devra terminer ce rang avec un total de 24 brides. Là, j'ai terminé mon rang numéro 2. Je vais enlever mon petit marqueur et à l'endroit donc de mon marqueur, je viens faire une maille coulée en prenant les deux brins. De nouveau, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je reprends mon petit marqueur et je le mets de nouveau dans ma troisième maille en l'air. 1, 2, 3, en prenant les deux brins. À chaque fois, on viendra terminer de cette façon-là, en venant faire une maille coulée là où on met le marqueur. Donc là, les trois mailles en l'air ici comptent comme ma première bride. Dans la maille suivante, je vais venir faire une augmentation toujours en bride. Donc, je viens travailler deux brides dans la même maille et on va alterner comme ça. Donc là, on fait une bride et dans la suivante, une augmentation. On va répéter ça encore 10 fois. Donc une bride, une augmentation sur tout le rang. Je vous laisse faire ce rang tranquillement et on se retrouve juste après pour venir unir ici. Donc là, j'ai fini mes 36 brides du rang numéro 3 au total. Et j'ai retiré donc mon petit marqueur et dans les deux mailles, enfin dans la maille en l'air, ici en prenant les deux brins, je viens faire une maille coulée. Pour le rang numéro 4, on fait 1, 2 et 3. On prend notre petit marqueur et dans la troisième maille en l'air, en prenant les deux brins, on vient le positionner. Donc là, on a notre première bride. Dans la maille suivante, on fait de nouveau une bride. Et dans la maille suivante, on fait une augmentation. Voilà. Et on va répéter ça sur tout le rang. Deux brides, une augmentation. Deux brides, une augmentation. Au total, sur le rang numéro 4, on va le faire 12 fois. Donc je vous laisse faire à chaque fois deux brides, une augmentation. On le refait une dernière fois ensemble. Une bride, deux brides, une augmentation. Voilà, je vous laisse faire toute cette séquence sur tout votre rang et on se retrouve juste après. À la fin du rang numéro 4, on a un total de 48 brides et on va venir donc de nouveau retirer le petit marqueur et faire une maille coulée là où on l'avait positionné. On fait de nouveau 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et on vient marquer la troisième maille avec notre petit marqueur. Donc là, on a notre première bride. On va venir faire donc deux brides supplémentaires. Deux et trois. Et dans la quatrième maille de notre rang, on va faire une augmentation. Et on va répéter ça
sur tout le rang. On fait 3 brides, une augmentation. Et on répète ça donc 12 fois. 1, 2 et 3, suivi d'une augmentation. À la fin de notre rang numéro 5, on doit avoir un total de 60 brides. À la fin du rang numéro 5, j'ai un diamètre d'environ 13,5 cm. Je vous donne ça à titre indicatif, comme ça si vous n'utilisez pas le même crochet ou la laine que moi, enfin les mêmes matériaux, vous pouvez au moins avoir un petit ordre de grandeur. Donc là, on va attaquer avec le rang numéro 6. On va venir faire donc de nouveau 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On prend notre petit anneau marqueur. Et donc là, on a fait notre première bride. On fait de nouveau donc 3 brides supplémentaires. Donc là, ça fait 2, 3, 4. Et dans la cinquième, on fait une augmentation. Une bride, 2 brides. Et on va faire ça donc sur tout le rang. On va faire à chaque fois 4 brides, une augmentation. Et à la fin, on aura un total de 72 brides. Maintenant, on va stopper notre fil. On va changer de couleur. Et pour avoir vraiment quelque chose d'invisible, on va venir faire une finition donc le moins visible possible. Là, on a notre fil qui dépasse de l'autre côté. On va sortir le crochet. On va venir le passer comme ceci. On va rattacher la boucle dessus. Et on va venir en fait passer la boucle à l'intérieur pour qu'elle ressorte vers le côté envers de notre ouvrage. Et là, on fait une maille en l'air et on coupe notre fil. Voilà. On n'est pas obligé à chaque fois de laisser des quantités monstrueuses de fil, hein. Un petit bout, ça suffit largement. Comme ceci. Alors moi, après là, au niveau des fils, je ne vais pas les cacher, celui-ci, parce que je préfère venir le faire à l'aiguille en descendant comme ceci. Je pourrais vous le montrer si vous voulez. Je trouve que là, vraiment, on ne voit pas du tout de démarcation. Et moi, plus j'avance, pardon, dans le crochet, et plus j'aime vraiment avoir des choses propres et nettes. J'ai récupéré mon fil blanc, et là où je me suis arrêtée, ici, je vais venir passer mon crochet exactement au même endroit dans les deux brins. Je prends mon fil blanc. Et je le passe comme ça. Je fais une maille en l'air. Vous voyez, là, hop, quand on tire, la première maille en l'air, en fait, ne va pas compter. Elle ne va absolument pas se voir. D'ailleurs, je vais en profiter pour faire un petit nœud. Voilà. Et maintenant, je vais venir faire 2 mailles en l'air parce qu'on va venir travailler en demi-bride. Une et deux. Dans la deuxième maille en l'air, je prends mon petit marqueur et je viens le positionner au niveau des deux brins. Exactement au même endroit, je viens faire de nouveau une demi-bride. Pour la demi-bride, on passe dans les 3 boucles directement. Ensuite, on va continuer comme ça. En fait, ça va faire des petits V. On saute une maille et dans la maille suivante, je fais de nouveau 2 demi-brides. Donc, je vais te les faire au ralenti au cas où. Alors, un jeté, on saute une maille, on pique dans la suivante. On a 3 boucles. Un jeté, on passe à travers les 3 boucles. De nouveau, un jeté, on pique, un jeté, on ramène, un jeté, on passe à travers les 3 boucles. Vous voyez?
Et on va faire ça sur tout le rang. On saute une maille et dans la suivante, rebelote. Deux demi-brides. On saute une maille et dans la suivante, deux demi-brides. Donc là, on a 1, 2, 3, 4 motifs. On va faire ça sur tout le tour. On fait une dernière fois ensemble. On saute une maille dans la suivante, deux demi-brides. Voilà, je vous laisse faire ça sur tout le rang et on se retrouve à la fin. À la fin de votre rang, vous devez avoir un total de 36 motifs. Donc, de nouveau, on enlève notre petit marqueur et on vient faire une maille coulée. Maintenant, on va venir à chaque fois crocheter entre deux motifs. Par exemple, là où on est pile entre deux motifs. Voyez? Donc, on va faire 1, 2, 2 mailles en l'air. Et on va venir mettre notre marqueur. Un jeté et pile au même endroit, on vient faire de nouveau une demi-bride. Un jeté ici en prenant les deux brins. Voyez, on va pas piquer là, hein. On va pas piquer entre les motifs vraiment. On va piquer ici. Voyez, entre chaque motif, on a comme une boucle. En fait, c'est la boucle de la deuxième bride qui est formée. Et là, on voit bien qu'on a un V. Et c'est là donc qu'on pique et on vient faire de nouveau un point V en demi-bride. Donc là, on saute une maille. Dans la suivante, on fait de nouveau un point V. De nouveau. Un point V. De nouveau. Un point V. De nouveau. Donc on saute cette maille, on pique dans la deuxième et on fait deux demi-brides. Et on va faire ça sur tout le tour et je vous propose donc qu'on se retrouve à la fin. Donc là, on a fini le rang numéro 8. On va venir donc de nouveau unir par une maille coulée. Et de nouveau, comme je vais faire un changement de couleur, je vais faire exactement la même chose que tout à l'heure. Là où mon fil ressort, je mets mon crochet. Je rattache ma boucle. Et je viens la passer de l'autre côté. Je fais une maille en l'air. Je coupe mon fil. Et je vais venir reprendre mon fil vert. Je vais venir le rattacher à l'endroit même où j'ai arrêté mon fil. Et comme tout à l'heure, je fais une boucle. Je passe mon crochet. Une maille en l'air qui ne compte pas parce que quand on tire, elle ne se voit plus. Une, deux, je mets mon petit marqueur dans la deuxième. Hop. Et je viens faire un petit nœud. Bon, encore une fois, les fils, je les cache tout à la fin.
Et là, on va crocheter exactement de la même façon. La seule chose qui change, c'est la couleur. Donc, pile là où j'ai rattaché mon fil, je fais de nouveau une demi-bride, vu que là, les deux mailles en l'air comptent comme ma première demi-bride. Et on refait tout pareil. On saute une maille, on va dans la deuxième, entre deux motifs, et on fait de nouveau deux demi-brides. On saute une maille, on pique dans la deuxième, et à chaque fois, on doit avoir un total à la fin de 36 points. Donc, je vous laisse continuer. Avec cette couleur, donc moi, je vais continuer de crocheter exactement de la même façon jusqu'au rang numéro 15. Ensuite, je viendrai reprendre ma couleur blanche pour terminer mon petit bonnet. Au niveau des couleurs, bien évidemment, vous faites absolument comme vous voulez. C'est à vous de faire en fonction de vos goûts, de vos envies. Vous le savez maintenant. Du coup, moi, durant... Alors, on reprend. Ici, on était au rang numéro 7. Donc, 7, 8 en blanc, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en vert et 16 en blanc. Là, je reprends avec mon fil blanc. Donc, je ne touche... Enfin, je ne fais pas de changement de couleur. Et je vais venir faire, donc... une maille en l'air. Et là, hop, contrairement à tout à l'heure, quand je fais une maille en l'air, vous allez voir, je vais juste récupérer. Ah bah non, ils sont là, mes petits marqueurs. Alors, j'ai fait une maille en l'air, voyez. Et exactement au même endroit, ici, je vais venir faire hop, une maille serrée. Donc là, une. Je prends mon petit marqueur et je viens hop, le mettre ici en piquant directement dans les deux brins. Donc là, une. Et on fait une maille serrée dans chaque maille qui se présente à nous. Donc deux. Trois. 4, 5, 6, donc là 71 et la dernière, on vient bien la faire ici sur la dernière demi-bride. 72 et là on a mis notre petit anneau marqueur, on fait une maille coulée, voyez. Du coup, on retombe sur un total de 72 mailles serrées. Pour le rang suivant, on fait exactement la même chose. On fait un rang de 72 mailles serrées. Pour notre dernier rang, on va crocheter au point écrevisse. Alors, hop. Pour crocheter au point écrevisse, c'est super facile. En fait, on crochette en arrière. Au lieu d'aller comme ça, dans ce sens, on va aller... dans l'autre sens. Donc on commence par faire une maille en l'air, à remettre l'ouvrage correctement devant soi. Voilà. Et donc au lieu de piquer comme ça, par l'avant, je vais venir piquer par l'arrière. Donc mon crochet, je vais le prendre et je vais venir le glisser comme ça. Vous voyez? On va venir incliner comme ça le crochet. Récupérer le fil comme ceci. Là, on a deux boucles et faire une maille serrée. En fait, on fait des mailles serrées. Hein. C'est juste que au lieu de piquer dans le sens normal, on pique en arrière, comme une écrevisse. Alors, hop. On glisse le crochet, on récupère le fil et une maille serrée. Vous voyez, ça fait des espèces de petites torsades. On va faire ça sur tout le rang.
Donc je vous laisse faire tout le rang et on se retrouve juste après. À la fin de notre rang, on va unir par une maille coulée. Donc je viens prendre les deux brins normalement et je fais une maille coulée. Pile à la fin de ma vidéo, c'est pas très grave, fallait juste couper le fil et venir cacher donc tous les petits bouts. Ça a coupé, j'avais plus de mémoire sur mon téléphone, je m'en suis pas rendu compte, je suis vraiment désolée. Voilà, mais bon, au moins je me suis dit que c'était vraiment limite limite. Voilà, voilà, sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire quelles sont les prochaines vidéos que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne. Et quant à moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut !